Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Gus et je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode de J'irai jouer chez vous. J'irai jouer chez vous, rendez-vous en serveur inconnu. Je vous rappelle rapidement le concept de cette toute nouvelle émission. C'est le deuxième épisode, donc je suis encore en train d'affiner un petit peu le principe. On va se rendre, je vais me rendre et vous allez me suivre sur un serveur de façon tout à fait inattendue, inopinée. Pas prévu, personne ne sait que j'arrive, personne ne m'attend, personne ne me connaît de toute façon, donc a priori je vais être très discret. Mon but, eh bien, c'est d'arriver en touriste et de visiter ce serveur et de vous faire profiter de mes impressions. Bien entendu, je vais pas tout voir, j'ai peu de chance de tomber sur un admin ou un modo, mais j'espère rencontrer des gens qui vont peut-être me guider, montrer des choses intéressantes. L'idée, voilà, c'est de rencontrer des personnes, découvrir comment d'autres gens, des gens que je ne connais pas, jouent sur un serveur, ce qu'ils y font. En l'occurrence aujourd'hui, eh bien c'est le nom du serveur qui m'a fait de l'œil, qui m'a titillé. Hein. Je suis allé sur un agrégateur de serveurs français, et quand j'ai vu marqué Architectica, eh bien je me suis dit, il faut que j'y aille. On va donc se rendre sur le serveur Architectica. L'adresse exacte, c'est serveur.architectica.ch. Il y a un site internet aussi, c'est www.architectica.ch. Vous pouvez aller jeter un œil dessus. En tout cas, moi, je vais tout de suite me rendre sur le serveur en question. Voilà, donc vous connaissez le principe, on va faire tout simplement add serveur, je vais rentrer l'adresse du serveur, celle que je vous ai donnée il y a quelques secondes, ça sera l'occasion pour vous d'ailleurs de la noter sur un petit bout de papier ou de la rentrer directement dans votre Minecraft à vous, et pourquoi pas d'aller visiter ce serveur qui, je l'espère, va nous proposer des choses assez incroyables. Je pense qu'avec un nom comme ça, Architectica, pardon, faudrait peut-être que je me concentre sur ce que j'écris. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai appuyé sur entrer par inadvertance, Architectica... .ch. Voilà, ça c'est fait. Architectica, avec un nom pareil, je pense qu'on devrait avoir du lourd. On devrait avoir de très très belles choses, de très belles créations, de très beaux bâtiments. J'en suis même convaincu. Je crois que c'est un serveur qui est plutôt orienté free build. C'est ce qu'on va découvrir. Alors attention, avec vous. Là, je vois qu'il y a 8 personnes, il n'y a pas grand monde. On est en début d'après-midi. Je pense qu'en fin d'après-midi, ça va se charger un petit peu plus. Ça, c'est pas forcément un serveur très connu. C'est pas le but de cette émission. Ah oui, j'en profite quand même pour vous dire, voilà, ça ne sert à rien de me donner des adresses de serveur. Je n'irai pas. Enfin, a priori, ce n'est pas ce qui me décidera de venir. Je tiens vraiment à ce que ce soit un truc très spontané. Je ne sais pas moi-même, 5 minutes avant de lancer l'enregistrement, réellement où je vais aller. Voilà, c'est une décision que je prends à la dernière minute, histoire d'être totalement... dans la plus grande des découvertes. Donc ne m'envoyez pas de lien, de vidéo, d'adresse de serveur ou de site à aller voir avant de vous rendre visite. Je viendrai pas forcément. Autre chose que je voulais vous dire, oui, certains s'inquiétaient de la publicité que ça ferait pour des serveurs. Ça fera forcément peut-être un petit peu de pub pour des serveurs. Pourquoi pas, mais c'est pas le but, hein. Je vous rassure tout de suite. Le but, c'est vraiment de faire une émission sympathique, une forme d'aventure sur Minecraft un petit peu différente, puisque là, c'est une aventure... c'est une découverte déjà de création, de map et de façon de jouer, et aussi de personnes. La semaine dernière, dans l'épisode précédent, j'ai rencontré Amor, que je salue, je lui fais un petit coucou, et d'autres personnes. Et voilà, c'est un peu l'idée, c'est de se faire des potes en 30 secondes, enfin, le temps d'une émission. Voilà, allez, c'est parti, attention, je rejoins le serveur Architectica. C'est parti. Oula, petite émotion. Oulala. Donc me voilà, dans le point de spawn, voilà, l'environnement se charge tranquillement. On va donc découvrir ça ensemble, vous le voyez. Et déjà, très très belle surprise, regardez ce pharaon derrière moi. Ainsi que d'autres personnages qui sont à genoux avec des épées. J'ose même pas... je tourne hein, autour de moi-même. Je vais me remettre en vue... voilà, on sera beaucoup mieux comme ça. On sera beaucoup mieux comme ça. Alors, je vais lire les panneaux, hein, forcément, quand on arrive sur un serveur, c'est ce qu'il faut faire. Alors, nous vous invitons à visiter l'université avec un warp... c'est très différent de ce qu'on a vu la dernière fois, les 10 commandements, des 10 commandements d'Architectica. Alors c'est un serveur free build, hein, je le rappelle, donc construction, c'est un serveur orienté création. Tu ne voleras point, tu ne grifferas point, tu ne verras point à travers les murs, tu n'insulteras point ton prochain, très très bonne règle, tu ne laisseras point flotter la cime des arbres. Ah oui, ça c'est horrible, les gens qui laissent du feuillage en l'air après avoir coupé le tronc. Je trouve ça pire que tout. Tu ne feras point de publicité, tu n'useras ni de give ni de game mode, tu ne flouderas point sur le chat, tu posteras ta candidature pour bâtir, tu aimeras ton unique dieu, Brutal Deluxe, mais tu n'oublieras point le pandachou. Voilà. Oh, mon dieu, quelqu'un. Attendez, ça c'est Calongville76 qui est lui-même en train de lire les règles du serveur, je pense que c'est un nouveau comme moi. Alors, en plus, il a un costume de villageois classique, enfin de personnage classique de Minecraft. Sans doute quelqu'un de pas très habitué au jeu, je n'en sais rien, je ne vais pas juger non plus sur l'accoutrement. Ce serait peut-être un petit peu rapide. Qu'est-ce que nous avons ici? Forum architectica.ch, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
vous êtes visiteur et vous voulez construire, voilà, en gros, si vous voulez vous mettre à construire sur ce serveur, eh bien, il faut vous inscrire sur le forum. A priori, on a très très vite une acceptation, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque j'ai fait quelques recherches. J'essaie de comprendre ce qui m'entoure. Je ne sais pas ce que c'est que cette énorme... Ah ! Si, ça y est, je vois, pardon. Autant pour moi, les nuages me cachaient une partie de ce visage. En fait, on a devant nous un énorme personnage barbu. Et ce n'est pas moi. Ah ! Pardon. Ce n'est pas moi, ça doit être... j'ai pas envie de dire conneries, peut-être le créateur du serveur. C'est pas Notch, en tout cas. Alors, on va peut-être se balader d'abord. Oh la vache, regardez l'arc de triomphe devant nous. Alors, c'est vraiment le propre des serveurs Freebuild, c'est qu'en général, ça part un peu dans tous les sens. Je vois en tout cas que c'est pas particulièrement organisé. Ah, on a un autre personnage immense de ce côté. Espèce de diable. C'est tout à fait impressionnant. Alors, on en a un là. Là-bas, une montgolfière, tout à fait incroyable. J'aimerais bien y grimper, mais je n'ai pas le mode qui me permettrait de voler. On a ici... Alors, on va regarder. Je sais plus où donner de la tête. Il y a tellement de choses à regarder. C'est terrible. Je voulais aller voir là-bas. Avant toute chose, je ne sais pas quels sont ces personnages qui sont représentés. Donc, agenouillés avec des épées, sans doute, des personnages clés emblématiques de ce serveur. On a là-bas... Ah, le tableau, vous savez, ce tableau de Michel-Ange où on a, je crois, un ange qui touche le doigt de Dieu. Et en l'occurrence, là, c'est donc peut-être Dieu qui touche le doigt du diable. Je pense que ce sont peut-être les admins ou les créateurs du serveur qui sont représentés là. Ce serait fort probable, fort possible. Avant de dire bonjour, on va se diriger un peu plus loin vers l'arc de triomphe qui est là-bas. Oui, alors en fait, je suis en train de traverser cette immense allée. Oh, regardez ça. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait une... J'ai envie de dire une planète ou un énorme bijou géant, je sais pas. C'est magnifique. Enfin bon, on traverse cette allée et je voulais reprendre l'enregistrement parce qu'en fait c'est tout à fait intéressant et très très impressionnant de voir ces immenses personnages qui finalement nous saluent hein, quand on passe. Tiens, ça pourrait être moi là-bas. Ou pas, je sais pas. Là on a Big Ben, donc des bâtiments somme toute un peu classiques qu'on a peut-être déjà vu ailleurs. Oh la vache, l'Empire... Alors je pense que c'est l'Empire State Building, j'ai pas envie de dire de conneries. On va grimper... On va grimper juste là. Déjà, on a quand même du très 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 beau bâtiment. L'université, c'est tout droit. On verra ça plus tard. Ici, donc, Big Ben, l'horloge londonienne. Là-bas, Notre-Dame de Paris. On reconnaît très très bien les bâtiments. C'est très impressionnant. C'est très très... comment dire, dépaysant. Très très dépaysant. Et là, on a carrément une ville tout à fait magnifique. Tout en sandstone, c'est vrai que ça rend très très bien pour ces bâtiments-là, ces grands bâtiments. Je pense qu'on est dans Paris, je sais pas, je vais pas dire... Peut-être pas une bonne idée de me noyer dans la Seine maintenant. Voilà, premier aperçu, magnifique. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur un serveur Minecraft free build, avec un petit peu le n'importe quoi qu'on connaît à ce genre de serveur. Vous voyez, il y a des personnages un peu partout. On en voit un là, je sais pas si vous voyez, une espèce de ninja noir qui est posé sur le bras, je pense, d'un des personnages que je vous montrais tout à l'heure. Voilà, c'est un peu le bordel, mais là, on voit que c'est organisé. On voit qu'il y a un petit peu quand même de comment dire, d'aménagement. Et ça, c'est bien. C'est très, très bien. Et alors, forcément, là, je suis avec le pack par défaut. Et ben, c'est tout simplement joli. Comme quoi, pas besoin d'un pack particulier pour faire du beau dans Minecraft. Au contraire... C'est d'ailleurs tout l'intérêt de Minecraft, c'est de réussir finalement à faire des choses incroyables avec un pack tout à fait classique et basique. Voilà, donc là on est complètement en centre-ville. Je vais simplement dire bonjour sur le chat. Ça ne va certainement pas faire grand-chose, mais enfin en tout cas j'aurai peut-être une réponse. L'idée étant peut-être de rencontrer... Oh là, un gros bonjour comme ça, ça va pas être apprécié. Voilà, je pense en tout cas que... Voilà, je suis visiteur. Hein. Voilà, je vais peut-être baisser aussi ce mode... qui va peut-être casser les oreilles des gens plus tard. Alors, l'idée étant donc, je le répète, de réussir à rentrer en contact, pourquoi pas... Ah, c'est un modo en contact avec des... Eh ben, un modérateur, pourquoi pas, ou quelqu'un qui accepterait de nous faire visiter, ou plusieurs personnes qui accepteraient de nous faire visiter ce magnifique serveur. J'ai l'impression qu'il y a de très 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 belles choses à regarder. Alors, le temps pour moi de peut-être rentrer en contact avec la population, et je vous retrouve dans 2 secondes. Alors, j'étais encore en train d'essayer de rentrer en contact avec des personnes. Pour le moment, c'est pas évident, c'est pas gagné. Je voulais quand même vous montrer un petit peu ce qui se passe là actuellement. Il fait nuit, je suis monté sur un pont qui était juste un petit peu plus loin. Et regardez, on a ici un autre pont juste en face de nous, tout à fait magnifique. Je crois que c'est ce pont anglais dont j'ai totalement oublié le nom, peu importe. Et on a une péniche qui est en train de traverser. C'est très très beau, c'est très joli. Je sais pas en fait si on est dans Paris, dans une sorte de Paris refait,
ou dans un... Ah, je crois que j'ai une réponse du chef modo Elorian 33 qui me dit bien sûr, je crois qu'il me répond, je vais sans doute pouvoir rejoindre leur mumble. Yes, ça c'est cool, si je peux avoir quelqu'un avec plaisir. Oh là là, les gens sont ravis. Bah, c'est cool, ça c'est un très 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 bon accueil. Je vais donc aller les rejoindre. J'étais simplement en train de vous dire que je ne sais pas si on est réellement dans un Paris ou dans un Londres. Je ne sais pas, et là il y a un dollar... Et je pense que c'est une banque. Je vais peut-être aller à la banque, tiens, faire un casse. On se retrouve tout de suite, normalement, avec un guide, en tout cas je l'espère, parce que je crois qu'il y a de très belles choses à voir. Allô, allô ? Allô, allô ? Oui, ah, salut, bonjour, comment vas-tu ? Bien, merci à toi. Oui, alors je sais pas si tu me répondais sur le chat de ton serveur, quand j'ai... Non, je répondais d'accord. À l'autre qui voulait être admin, parce que bon, ce genre de personne-là m'exaspère. D'accord. Ah oui, des gens qui arrivent et qui veulent être admin tout de suite. Oui, voilà, d'accord. Ce genre de personne-là. Ah oui, moi j'étais tout content, j'avais posé la question, ouais, je fais une émission sur votre serveur, est-ce que quelqu'un peut me guider ? Je vois, oui, bien sûr, je suis, ouais, ils sont trop gentils, tout ça, ah, non, je suis déçu. Non, mais c'est pas grave, tout va bien. Non, mais je sais pas, qu'est-ce que tu veux ? Alors, je t'explique, prévois de faire, déjà. Alors, je suis en train d'enregistrer, là, hein. C'est-à-dire, c'est une émission, je vais t'expliquer rapidement, je m'inspire un petit peu du, je sais pas si tu connais cette émission qui s'appelle « J'irai dormir chez vous ». Non, enfin voilà, c'est un gars qui part dans un pays avec la caméra et qui, sans avoir vraiment prévu où il allait se rendre, et qui filme les gens qu'il rencontre et ce qu'il voit. Moi je fais la même chose sur les serveurs Minecraft, donc c'est le deuxième épisode, j'avais fait ça sur un autre serveur la semaine dernière, je savais pas il y a 5 minutes encore où j'allais aller, j'ai décidé là comme ça au dernier moment de me rendre sur Architectica. Et donc j'ai commencé à décrire un petit peu ce que je voyais autour de votre point de spawn. Je sais pas là si je suis dans Paris ou dans Londres ou un mélange des deux. C'est un mélange d'un peu tout et n'importe quoi. D'accord. Mais assez bien agencé. Ah oui, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, j'ai déjà vu des serveurs, notamment des serveurs Freebuild, et c'est vrai qu'en général... Ah, te voilà. Salut. Je suis là. Ah oui, en chair et en os. Et en général, c'est un peu le bordel. Là, on voit des choses assez surprenantes, notamment dès l'entrée avec ces immenses personnages, mais en même temps, on sent que c'est organisé, que c'est pas le grand n'importe quoi. Bah, toutes les nouvelles maps du serveur sont... C'est de mieux en mieux agencé, j'ai envie de dire. D'accord, ok. C'est une map qui est toute fraîche, hein, elle a à peine un mois, donc c'est pour ça, pour l'instant, il y a quelques villes, mais le gros de l'architecture est là, quoi. D'accord, ok. Alors, je sais pas si t'as un petit peu de temps devant toi, et si t'es d'accord malgré ton travail de modérateur. J'ai toute la journée. Oh! Alors on a, si tu m'aurais dit j'ai une heure devant moi, ça me suffisait, je pense qu'on en a pas pour beaucoup plus longtemps. Moi en tout cas c'est l'idée, voilà, en une demi-heure, trois quarts d'heure, faut que je jette un œil un petit peu sur ce que vous avez, ce que t'aurais de beau à me montrer, ce dont vous êtes le plus fier sur le serveur, comment vous fonctionnez. Je pense que vous êtes un serveur plutôt orienté freebuild, hein, c'est ça? Oui, mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on n'est pas en créative, on est en freebuild. C'est-à-dire qu'on joue en survival, ouais. Mais on fait des choses comme tu vois autour de toi, quoi. D'accord, alors... pas de give ? Pas de give, pas de world edit, ou un minimum. Ouais, quand même. Tout ce que je vois autour de moi a été fait de façon quasi alors, à la mano. Tout ça a été fait à la main sur l'ancienne map, mais copier-coller ici, bien sûr, au world edit, on a tout fait pour bien agencer le truc comme il faut, tout mis au bon niveau, mais tout ça a été construit à la main sur l'ancienne map. D'accord, ben moi je vous félicite parce que c'est très très classe, c'est très beau. Alors la plupart des bâtiments on les connaît, on les a déjà vus sur d'autres serveurs. Je pense notamment là à Big Ben, que j'ai vu refait ailleurs, mais voilà, c'est toujours agréable de revoir ces bâtiments là, surtout quand ils sont si bien faits. On a aussi Notre-Dame de Paris là-bas qui est magnifique. Ouais, Notre-Dame de Paris à côté de Buckingham Palace, ici derrière toi les trois bâtiments qui forment un mini-cercle, c'est la place de la Bourse à Bordeaux. Ah, mais comment j'ai pas pu reconnaître, j'habite quasiment, enfin je suis quasiment à côté de Bordeaux, enfin je suis... Tu habites où ? Au Bouscat, mais ça c'est très... Mais on pourrait même faire la vidéo en IRL. Ah bon, tu es d'où ? À Martignas-sur-Jal. Ah la vache, bah je connais bien, ok. Alors voyez, alors je parle aux auditeurs qui vont regarder cette émission, c'est la magie de ce genre de choses, là on se rend compte qu'on est presque voisins, c'est magnifique, c'est le but. C'est un peu ça, ouais. Mais c'est carrément le but de cette émission, quoi, c'est de prouver aux gens que, en se jetant comme ça, mais ils le savent, hein, sur un serveur, rencontrant des gens, on peut faire de belles rencontres. Très bien. Vu que tu n'as pas le fly, je te propose de venir avec moi. Ouais. Et de jeter un coup d'œil, je sais pas si tu as pris le warp là-haut. Ah non, j'ai pris aucun warp. Alors, le premier warp, histoire de voir le serveur, le spawn, de deux points de vue différents en hauteur. D'accord.
Ah oui, d'accord. On va se retrouver où dans Dans la grosse montgolfière que tu vois en ouais, face de toi là. Celle-là qui est toute colorée parce qu'il y en a. Ouais. Voilà, t'as peut-être des bruits de ces monstres hein, que tu réentends. Oui, oui, je les entends, mais y a pas de soucis. D'accord. Ça me rappelle de bons souvenirs parce que moi je les mets plus. Donc. D'accord. Parce que je vois qu'il y a une autre montgolfière oui. là-bas verte. Bon. On ira aussi, t'en fais pas. D'accord. Viens là, tourne à droite. Vous avez une seule map? Ah, pardon. Pour l'instant. On a plusieurs maps mais qui servent à d'autres choses. Je te laisse prendre le warp en faisant un clic gauche dessus. Oh la vache. Ah oui, c'est instantané, ok. Moi je te rejoins en fly parce que j'ai la flemme. Là, je vais juste enlever mon push to talk, hein, deux petites secondes. Vas-y. Est-ce que je peux monter là? Ah voilà, très bien. J'avais le verre qui me gênait un petit peu. Je vais mettre carrément bord. Waouh. Ah ouais. Ah, ça déchire. Je trouvais ça magnifique aussi, ouais. Tous ces personnages qui sont à genoux. Qui sont-ils? Sont des personnages un peu emblématiques du serveur? Alors, tu as les deux gros personnages situés en vue de loin. Tu vois un gros monsieur rouge et un gros monsieur blanc. Attends. Oui, Dieu et le diable, un petit peu. Voilà, Dieu et le diable, exactement ça. Donc ça, c'est les deux administrateurs du serveur. Tu as au milieu, entre les deux, ici, en face de moi, si tu me vois encore. Ah oui, je te vois. Deux statues avec Mario et puis un espèce de chevalier. C'est les deux chefs modo. Il va falloir que je bouge la mienne parce que je viens d'être nommé aussi. Ah, c'était Mario. Et je l'ai vraiment pas reconnu, en fait, avec ses deux épées en or. Je l'ai pas reconnu sur le coup. Et tu as en dessous de toi donc les 8 modérateurs du serveur. D'accord. Sachant qu'il en manque encore 2 qui doivent faire leur statut. Mais bon, on a pas mal de taf en ce moment parce qu'on est en train de préparer une nouvelle map. Ouais. Donc voilà, on n'a pas trop la tête à faire ça pour l'instant. Et si je me trompe pas, tu es là. Tu voilà, es juste exactement. À côté de l'Égyptien, entre l'Égyptien et je sais voilà. pas trop. Okay. Je suis là. D'accord. L'autre, c'est un personnage d'un jeu qui s'appelle S4 League. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, je te laisse prendre le warp devant toi qui est marqué là-bas. Ouais. Ah, c'est bien organisé votre truc, c'est-à-dire qu'en fait, de warp en warp, on peut faire une visite comme ça du serveur de façon... Voilà, en ah, c'est génial. Tranquillement. Alors là, moi, on est un petit peu devant, mais c'est pas grave, j'utilise le mode, tu sais, Atmos, Matmos, donc ce que tu entends, c'est... C'est parce que tu as du vent, d'accord. Voilà. Donc là, par contre, j'ai pas une grande vue, surtout ouais, qu'il y a des nuages, mais... Ah ouais, parce que moi je les ai désactivés, donc j'ai une grande vue. Mais c'est pas... Donc mais là, c'est... tu es au-dessus de l'Arc de Triomphe et de la place de la Bourse. Tu as une vue sur le Big Ben derrière toi. Ouais. Je vois surtout l'Empire State Building, si voilà, je ne me trompe pas. L'Empire State Building. Est-ce que aussi. Vous avez réussi à le faire je vois pas. Est-ce qu'il est terminé tout en haut? Est-ce que vous avez eu assez de hauteur pour pouvoir le finir? Oui, j'ai l'impression. Ça y est, il s'affiche totalement. Ah ouais, il s'affiche. Ah oui, ça continue à s'afficher en fait. Avec la distance, il faut un petit peu de temps. Ah oui, hop. J'y suis. Et là, si tu lèves la tête, il y a le haut qui est fait. Ah, c'est très 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 haut. Ah oui, mais c'est vrai ah que oui, maintenant, oui. Minecraft, on peut aller très très haut. Je sais plus. Bah, là, on est monté jusqu'en haut de la map. Hein. D'accord. Ah, c'est tout simplement magnifique. Je vais te remettre tout en bas, histoire qu'on continue un petit peu la visite à pied. Ouais, ok. Les recrutements, tout ça, comment ça se passe en fait? Les gens viennent, font une demande sur le forum, si j'ai bien compris, et voilà, puis exactement. Vous étudiez la candidature? On a un site qui est très très bien agencé là-dessus, donc les gens s'inscrivent sur le site, posent une candidature, et puis ensuite nous, régulièrement, toute l'équipe de modération, les admins compris, nous passons sur le forum, et nous recrutons des personnes âgées de 15 ans minimum, ayant quand même une belle envie de jouer, et pas de faire de grief ou quoi que ce soit. Quoi. D'accord. Et vous êtes assez souple quand même sur les Oui, on est relativement souple. Après, okay. Bon, par contre, là où on n'est pas souple du tout, c'est dès qu'il y a une bêtise de fait, bon, les sanctions tombent hein, derrière. On n'est pas là non plus pour faire la police tous les jours. Mais voilà, quoi, quand il y a des sanctions à prendre, on les prend. Et vous faites bien, très bien. Tu disais tout à l'heure que c'est un serveur donc Freebill, mais malgré tout, vous avez les mobs qui sont là au milieu, il faut survivre. Oui. Où est-ce que les constructeurs vivent à ce moment-là? Dans des villes. Ouais. Ils sont tous, ou alors isolés. En fait, si tu veux, le principe, c'est que soit on se regroupe par ville, soit on se met tout seul. Mais la liberté notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. D'accord. Alors attends. En gros, tu t'installes ou tu n'embêtes pas tes voisins. Ouais. Il faut que je te coupe pour faire juste un waouh. Ah ouais, c'est beau. Donc alors, la petite Notre-Dame de Paris. Hein, ouais. J'avais fait une map aventure qui se passait dans Paris, c'était le Sacré-Cœur, je crois, qui était tout à fait superbe, la map Z-Touriste. Et là, c'est très différent et c'est très très beau. Oh, les lustres. C'est chouette. Hein. Félicitations, bravo.
Donc je te propose ensuite de venir par ici, sauf si tu veux continuer à jeter un coup d'œil, mais. J'irai bien au bout, juste. Vas-y, vas-y, fais ton Autre chose, plaisir. donc, le serveur s'appelle Architectica, c'est que vous mettez vraiment un. Enfin, comment dire? L'esprit du serveur, c'est quoi? C'est la construction, c'est les gros Oui, bâtiments. voilà, Ouais. c'est, ben, tu l'as vu au spawn, hein, c'est des Ouais. gros bâtiments, et pas que des bâtiments, on a aussi un très très bon architecte en bateau. En bateau? Ouais, je vais te montrer ça Ah, je veux voir des bateaux. un peu plus tard. Ah, je n'avais pas vu ce bâtiment-là. Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est. Alors ça, si c'est pas à Dubaï, je sais pas où un truc comme Je sais pas, mais enfin, ça sortit de l'imagination d'un modérateur. Juste avant que la map ne change, on lui a lancé un défi de faire un bâtiment en 1 heure et il nous a pondu ça. C'est beau. Voilà. Voilà, c'est le genre de bâtiment qui est beau, mais tu sais pas du tout ce que c'est, tu sais pas quoi en Non, faire, tu voilà, sais pas comment mettre des trucs dedans. voilà, c'est C'est moderne, exactement mais c'est ça. beau. Non, c'est très joli, c'est très joli. Oh la vache, mais alors plus on avance, plus il y a. Ah oui, non, en fait, c'est une. Oui, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il y a encore des choses, là, je vois qu'il y a encore des choses. Oui, il y a des choses qui chargent petit à petit. Par contre, je vais devoir te faire des TP parce qu'on n'a pas Alors attends, 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 terminé attends, j'ai encore vu un magnifique les. palais juste là. Ça, c'est un palais, style palais, palais oriental, palais perse, je sais pas, Ouais. indien. Alors par contre, il a été recopié récemment Oui, et je pense, le ouais. travail Parce de que. terraformation dessous qui a pas été fait. Ouais. Non, mais c'est parce que voilà, la map est pas encore totalement finie. Ah, de toute façon, c'est un des fonctionnements de la plupart des serveurs free build où, en général, les bâtiments ensuite sont redéplacés, réassortis, Voilà, repositionnés au bon endroit, ils exactement. sont fabriqués à un endroit et ensuite on les déplace. Alors je vais devoir te demander un Exactement. service parce que bientôt on va être très gêné par un bruit de gargouillis de ventre. Je manque de nourriture. Si tu as quelques pains à me donner, je prends. Ça me Attends, permettra je vais de. juste me mettre à un endroit où parce que je vais te TP. Toc. Voilà. Comme ça, la visite Voilà, sera un petit peu. on a un manoir juste sous les yeux. Tiens, je te file du pain. Merci beaucoup, c'est juste pour tout à l'heure. Je vais commencer à le manger en fait. Ah, je peux Oh, pas le prendre. non. Tu? Non, c'est pas vrai. Je suis visiteur, hein. Ah ouais, mais. Hey. Faut Bon, pas peu le prendre. importe, on verra tout à l'heure. Si on se dépêche, j'ai encore trois. Donc là, Ouais. un manoir qui est en train d'être construit, il n'est pas fini encore, donc tu vois, il y a encore des meubles Alors, attends, dessus. je lis Calist. Oula. Calistri's Manoir. Ça me rappelle Voilà. quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir quoi. Calistris, c'est un joueur en fait. D'accord, ah Et oui. lui, son délire, c'est de nous faire un manoir dès qu'on change de map en fait. D'accord, je Voilà. pensais que c'était un manoir issu d'un jeu vidéo, d'un film. Pas du tout. Non, je crois que c'est un truc issu complètement de son imagination. Et À l'extérieur, c'est très joli. On rentre? Allez, hop. allez, Parce il qu'on y a des fout. monstres, mais c'est pas Ah grave. bah alors non, tant pis. Passe Et devant. tu. Attends, je vais quand même me mettre une épée parce qu'on sait jamais. Alors je vois que t'as de la redstone sur le dos. Est-ce que ça veut dire que c'est un peu ta spécialité? Oui, moi j'adore tout ce qui est redstone. Pour l'instant, j'ai pas fait de gros trucs. Enfin, j'en avais fait un sur un serveur à moi pour préparer un event en fait sur Architectica, mais malheureusement ma map a été bousillée par un joueur, donc j'ai dû tout recommencer et j'ai la flemme parce que ça m'a pris à peu près 3 semaines. D'accord, ah oui, je Donc comprends. pour l'instant c'est un peu en stand-by. Mais sinon oui, moi j'adore tout ce qui est Redstone, il n'y a pas de. Si là-dessus on est plusieurs dans ce cas-là sur le serveur, donc là-dessus on s'amuse plutôt pas mal. Ce qui est très surprenant dans ce manoir, c'est qu'en fait c'est surdimensionné. C'est totalement gigantesque. On s'attend pas à ça de l'extérieur. Et en fait, j'ai déjà vu des manoirs faits dans Minecraft. En général, c'est plutôt des. Voilà, c'est à taille humaine. Là, ça le reste à taille humaine, mais c'est dans des dimensions totalement folles. Et ça grimpe encore avec des escaliers qui n'arrêtent plus. Ouais, par contre, il n'y a plus Oh la trop de vache! lumière là. Alors j'y vois bien parce qu'en fait j'ai la lumière à fond dans les options graphiques. Ouais. T'inquiète pas. Et franchement, il a vu les choses en très 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 grand quoi. Il va falloir le remplir ce manoir. Ça fait penser un peu à Amnesia. Je sais pas pourquoi. Mais ça va être rempli, je te rassure, hein, tout va D'accord. être. Ah je m'en doute. Faudra que je revienne dans quelques semaines. Oh, mais avec grand plaisir. Hein. Alors, si t'as d'autres choses à nous montrer, n'hésite pas. J'en ai plein. Ok, allez. Ça va sûrement être chiant pour toi pour faire ta vidéo, mais je vais te faire plein de TP histoire Eh bah d'éviter. écoute, ce qu'on fait, là je coupe, tu fais un TP et on se retrouve dès qu'on y est, voilà. Gros changement d'ambiance, vous le voyez, là on a quitté le manoir, on est sur le port du serveur Architectica, et c'est Il y en a un totalement gigantesque. qui s'est amusé à faire des smooths et des trous Alors c'est quoi dans les les murs. smooths? Je sais pas ce que c'est, par contre les trous, Oh, je comprends bien. c'est des commandes, tout simplement
de modération, D'accord. Et au niveau pourquoi du des trous dans les paysage. murs pour donner l'impression que ça a été un petit peu abîmé Je ne sais pas, soit c'est un fail, Bah en tout soit cas, c'est Léon. fait exprès, mais bon. Alors, mention Pauvre spéciale. camion en tout Oui, c'est ce que j'allais dire. Mention spéciale pour Hola les. muchas. Voilà, Coucou. bonjour, bonjour. Mention spéciale pour les camions, parce que j'ai déjà essayé de faire quelques véhicules dans Minecraft, et c'est pas évident du tout. Et là, franchement, c'est bien réussi. C'est parce que bien réussi parce que à taille de personnage Minecraft. Je vais le montrer aux gens. Regardez. Voilà, le camion est pas trop surdimensionné, il est bien dans les proportions. Bravo, félicitations à celui qui l'a fait. Hein. Je sais pas qui, mais en tout cas. Enfin voilà, moi c'est le genre de petites choses qui me laissent. Pour avoir tenté déjà de faire des véhicules. Et là-bas, on a justement un petit comment on appelle ça? C'est-à-dire Un chariot transpalette. Un élévateur. chariot élévateur, merci. C'est toujours marrant les véhicules dans Minecraft. Et donc là, Ouais, c'est assez marrant. on a été rejoint par Moufif. Mouf, pardon. Bonjour Mouf et. Une modératrice du serveur. D'accord, enchanté. Bonjour. Alors je suis. Je fais les présentations, je suis Gus et je fais une petite vidéo sur. Petite vidéo. Non, une magnifique et immense vidéo incroyable sur votre serveur pour présenter un petit peu ce que vous faites. C'était pas prévu, je préviens pas. Le concept de l'émission, c'est que j'arrive par inadvertance sans être attendu. Et j'enregistre, je filme, je rencontre des gens, on discute et j'essaye de montrer un maximum de choses en un minimum de temps. Voilà, D'accord. donc là on est en plein recording. Et donc, D'accord. et là on est au port, donc si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Tu es la bienvenue, bien entendu, tu es chez toi avant. Donc c'est un petit peu normal aussi. Là je vois en fait qu'il y a un magnifique bateau. Et il est pas fini ce bateau? Attends. Si, Ah si. si, il est fini, d'accord. Bah, où est la queue, où est la tétette? Je sais pas, attends. Et tu as le grand frère qui est juste derrière ici. D'accord, oui, je l'ai vu. Bon, le truc c'est que comme je dois courir. Ah, oh, j'ai cru que Biloulette était parmi nous, mais non, c'est Mouf. Mais non, arrêtez de dire ça! Bah écoute, un petit peu quand même. Un petit peu. Le Mais collier de pas du feu. tout, c'est moi qui l'ai fait! Fais voir. Bah écoute, Biloulette, pareil, une petite robe rouge, généralement, elle a des fleurs dans les cheveux. Bon, bah je regarde pas Biloulette donc. D'accord, mais la fleur est de l'autre côté. Mais c'est très simple. Ah oui, voilà, je vois comment c'est foutu. Ok. Avec une Tiens, cargaison je t'ai filé 20 sous, incroyable. normalement. Attends, tu m'as filé. Ah oui, ouais, là j'ai de quoi manger. Miam miam. Allez, j'en mange une deuxième. Attention, tu dis bien à tes viewers que c'est pas légal. Hein. Ce que tu viens de faire, c'est pas légal. Oui, non, j'ai pas le droit de give. Oui, voilà, Normalement, c'est pour la bonne cause. Il y a des araignées juste là. Je me casse. normalement Il y a les des mobs visiteurs partout. ne. Ah oui, par contre, oui, il y a du mob. Et les visiteurs normalement ne meurent pas de faim. Ah, d'accord. Oui, mais après, on aurait eu un bruit, tu sais, un peu gênant de. Ah mince, je voulais rentrer dans un container pour me protéger. Tant pis. Bon, en tout cas, le port est magnifique. Alors, n'ayant pas, moi, le fly, je peux pas trop. Mais je vais te faire plusieurs TP. D'accord, ben n'hésite pas, hein. Tu me TP quand tu veux. Je vais te TP sur le grand frère de celui que tu viens de voir. Mouf, tiens, Et j'y arrive. je m'adresse à Mouf, c'est toujours là. L'ambiance sur le serveur, tu peux nous en parler un petit peu, les gens entre eux, tout ça. Vous êtes une bande de potes maintenant, vous. Comment ça se passe? Oui, bah pour moi c'est une communauté donc il y a tout le monde, il y a toujours des gens qui s'apprécient, des gens qui s'apprécient pas, mais en général et ça aide, le mumble sert à bien resserrer les liens. D'accord. Et on est tous ouais, on est tous assez soudés. D'accord. Ah oui, je vois le King of the. Loupé. J'ai pas eu le temps de finir de lire. On ira après, t'en fais pas. D'accord, le roi de quelque chose. Ah oui, là je suis sur le bateau. Voilà, là tu es sur le grand frère de celui que tu as vu tout à l'heure. Totalement immense. Incroyable. Et tu as, si tu as la vue un peu plus longue que moi, tu devrais voir un phare qui se dessine. Oui. Ah, aïe. C'est rien. Je me suis juste cassé une côte. Là oui, je vois quelque chose là-bas. Je vois pas le phare, je vois le début d'un bâtiment. Il me refait mal. Aïe. Ah oui, ça commence à apparaître. Il est en sandstone, hein. Oui. Hop là. Moi je saute de conteneur en conteneur très habilement. Le plus simple, c'est que je t'y amène. Ouais, parce que je vois juste le bas du bâtiment en fait pour le moment. Il doit y avoir la Bon, suite, je d'ailleurs une m'éloigne un tour. petit peu parce qu'il y avait un creeper qui t'attendait. Hop, À hop combien de là. personnes en ce moment sur le serveur en tout là? Ouf. Alors deux connectés en ce moment, pas beaucoup. Enfin, à l'heure qu'il est. Mais on a combien de personnes en En moyenne, moyenne? On on est est à 30. trentaine en Ah, c'est moyenne. bien, d'accord. En sachant que tout le monde n'est pas toujours connecté en même temps, au même moment, donc. Voilà, Ah il y a non, des. on est 30 connectés en moyenne. D'accord, Il y a des c'est ça. soirs ou des créneaux horaires où on peut monter à 40-45 personnes, quoi.
Alors, Ça arrive fréquemment. c'est marrant, ce phare me fait penser, mais c'est pas du tout ça, un peu à Fort Boyard, mais ou phare non, je sais pas. Ce phare est inspiré d'un phare existant, Oui, réel, oui, lequel? oui. C'est pas le phare d'Alexandrie quand même. Si. Ah merde, ouais, d'accord. Ben, on sait pas trop à quoi il ressemble, je crois qu'il a été détruit. Je sais pas, hein, je suis pas un spécialiste non plus en bâtiment, en histoire des bâtiments, mais il me semble que le phare d'Alexandrie a été détruit. Donc ça a été fait sur peut-être sur à partir de quel document, je sais pas, mais oui. Je n'en ai aucune idée, je ne peux pas te renseigner là-dessus. Ça a été fait par un de nos collègues modérateurs, donc. Mais en même temps, on se doute que c'est le phare d'Alexandrie, tout simplement, parce qu'il y a une connotation, j'allais dire, Pyramidal avec les ouais, escaliers. voilà, c'est ça. Pyramidale et romaine même. Donc on découvre, enfin, on se doute bien que c'est le phare d'Alexandrie. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu moi-même éventuellement l'imaginer. Je voulais voir ce bateau, ce magnifique yacht, parce que j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Rien qu'à moi. Mais il sera pas à Je moi, t'y hein, je vous le laisse, amène. mais. Ah Je non, t'y c'est même amène pas un yacht, quoi, c'est vraiment. en vue de loin, voilà, et après on ira visiter l'intérieur si tu veux. D'accord, c'est vraiment le. Ah ouais, le roi des mers, et c'est vraiment le bateau de croisière. Oui, on a plus grand hein, sur le serveur, je te rassure. En bateau? Oui. Ah, eh bien écoute, comme tu veux. Alors, on discutait avec mes deux nouveaux amis, hein, et vous me disiez que vous aviez un spécialiste, et on le voit à nouveau avec un nouveau bâtiment devant nous, un spécialiste du bateau, un mec qui fait que ça, qui s'est spécialisé là-dedans. Ouais. Oh, dans les grandes constructions en Ouais, général, d'ailleurs. c'est la même personne qui nous a fait le bâtiment que tu te rappelles tout à l'heure. D'accord. Vous m'avez TP Tu sur un savais. truc, faut pas que je bouge de trop. Hein. Ah, mais vous m'avez fait Ah une oui, non, là, petite. Ah, faut vous m'avez fait un pas. truc spécialement pour moi, en fait, si j'ai bien compris. Mon petit point surélevé. Ah, mais là, alors là, devant nous, on a les nuages, je vais les enlever. Tiens, allez, j'enlève les nuages. Soyons fous. Hop, on n'a plus de nuages, comme ça on y verra beaucoup mieux. On a. Alors, ça, c'est un bateau de croisière, mais style années 20. Bah, style, à mon avis, il n'y en a qu'un que tu connais. Hein. Titanic. Bah oui. Style le Titanic. Style Titanic fait à l'échelle. D'accord, Voilà. je cherche le glaçon, mais je le vois pas. Non, non, on n'a quand même pas fait le glaçon. Oh bah si, pour l'event, on l'a fait. Oui, voilà, il y a eu un event qui a été fait pour fêter les 100 ans, entre guillemets, de la disparition de ce super navire. Et on a fait l'event avec le glaçon, le bateau qui prend l'eau, etc., Ah, je vais etc. voir Colin. Est-ce que, alors je vais te demander, je sais pas si tu peux le faire, est-ce que tu peux mettre le jour ou est-ce que c'est pas conseillé aussi, c'est pas le genre de choses On qu'on peut pas peut. non plus Ah oui, d'accord, malheureusement. ok, mais c'est Ah bien. non, Là. c'est très très restrictif Je le là-dessus dis aux parce que auditeurs, hein, bon. j'arrête pas de l'emmerder depuis tout à l'heure, je lui demande de me mettre le fly, de mettre le jour et tout, et il me dit non à chaque fois. Je dis aux personnes qui t'ont recruté pour être chef modo, il est très très bien, il est totalement impossible de le faire dévier de sa de ses directives. Il est parfait. Il est parfait. Bonjour. Bonjour. Salut Colin. Bah voilà, Gus, je te présente le foufou des bateaux. Ah bonjour, Le enchanté. C'est donc toi foufou des qui. bateaux. C'est donc toi qui fais des maquettes à taille géante sur Minecraft. Oui. Mais félicitations. Alors j'ai déjà vu donc le King of the Seas. J'ai vu aussi les beaux bateaux de. Alors c'est pas des bateaux, ce sont des énormes. Enfin, on a visité le port et là je suis donc devant le Titanic, qui est tout à fait incroyable. Alors, le King of the Seas n'est pas de lui. Ah Voilà, mince. c'est de Dadark. Les bateaux de conteneurs non plus. Ah mince. D'accord. Mais lui est Seulement le. spécialiste de ce que tu as devant toi, le Titanic. Et on a le France, un petit peu plus loin. Ah oui, mais si là je vois pas, mais si je saute, je me tue, non? Oui, Ah voilà, oui. voilà, Donc évite bon. de te tuer quand même un Je peu vais de pas me tuer. vidéo. Attends. Alors est-ce que vous pourriez me déplacer? Oui. Ah! Ah oui, mais t'as même un costume de marin, enfin de marin, de Non, non, capitaine non, de non. navire, non? Non, 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 non. C'est un uniforme de général du Premier Empire. D'accord. Rien à voir avec la marine. Bah, je suis poursuivi par un squelette. Merci, Mouf. Alors, j'aimerais bien descendre plus bas pour Un petit saut. visiter les quais. Tu crois? Je peux? Je vais me tuer? Ah Attends. voilà, Ah voilà. merci. Disons que elle est toute neuve, la zone. Elle est en construction. Je l'ai commencée il y a à peine 3 jours. C'est super impressionnant. Quand j'ai commencé la vidéo, j'ai fait une petite introduction avant de rejoindre le serveur où je disais je suis sûr qu'on va avoir du beau, qu'on va avoir des belles choses. Et franchement, parce que forcément Architectica, on pense tout de suite que bah, tout va être orienté sur des méga constructions. Et bah c'est le cas, là, comment on se sent tout petit à côté du bateau. C'est incroyable. Non mais ça doit faire le même effet en vrai, tu vois. Enfin quand t'es sur un quai comme ça à côté d'un immense paquebot, tu dois ressentir exactement la même chose.
Et l'intérieur a été fait aussi. Ah bah j'arrive. Allez, on va visiter ça. Ah oui, là tu te sens dans un les petit comparé classes. Au bateau. Quelqu'un lui a fait visiter l'université? On non, terminera. Non, d'accord. Je le garde pour après, t'en fais. Ben, on terminera par l'université, en fait, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc là, on est dans le restaurant. Ah oui. Dans la réception. Ah oui, c'est non, c'est pas le restaurant, c'est juste la réception, ça. J'ai hâte, oui, j'ai hâte de voir la réception. Le restaurant est un peu plus loin. Ah, j'ai hâte de voir la réception. Ah, par contre, vous avez désactivé les dégâts des creepers, j'imagine. C'est pour les visiteurs. Enfin, je veux dire, est-ce qu'un creeper qui pète éclate le décor? Non. Ah voilà, non, c'est ça. Non, il éclate nous, mais il éclate. Oui, voilà, c'est ça. Je vous ai perdu finalement. Sprint, vous retrouvez. On est là, je pense qu'on est dans la salle à manger de première classe. Voilà, on est dans la salle à manger première classe. C'est tout à fait hallucinant. Est-ce qu'il y a la salle des machines, tout ça? T'as tout fait? Oui. Oh, la vache. La salle des machines, par contre, elle est de l'autre côté. Mais il y a moyen de se perdre là-dedans. Ah oui, oui. En fait, quand je vois, si on ne le connaît pas, on est. Et même toi, tu t'y perds ou pas? Non. Non. Je me demandais. Non, j'ai travaillé 2 mois non-stop dessus, je le connais. Je me doute. Je voulais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une sorte de map aventure dedans? Ce serait génial. Oh, il y a moyen. Alors, oui. Vu comment c'est grand, il y aurait vraiment moyen de faire plein de choses. Ah ouais, puis la surface. Ouais, c'est ça. Vous pouvez passer notre. Je sais pas, moi je me perds, hein, je suis parti. Tu es dans la salle à manger de deuxième classe. Je te vois plus. C'est un truc qu'on se perd, c'est terrible. La salle des machines. Bon, bah il faut descendre déjà. Allez, descendons. Alors on se retrouve dans quelques secondes dans la salle des machines. Donc voilà, là on est dans la salle des machines du Titanic, tout simplement. Un truc incroyable, mais il n'y a que sur Minecraft que ça peut arriver, ce genre de choses. Donc là on est devant la chaufferie. Et voilà. Tu t'es basé sur quoi? Sur des plans pour faire ça? Sur les plans. Ah oui, d'accord. Sur les plans d'origine. C'est un truc de fou. Dommage qu'il n'y ait pas les flammes à l'intérieur. Bah disons que quand je l'ai copié de l'ancienne map, là on est sous le niveau de la mer, donc ça a inondé l'intérieur. Ça avait enlevé toutes les torches. Et ça avait éteint toutes les... Ah oui, c'est pour ça qu'on entend l'eau, je dis ça aux auditeurs, on est forcément plongé là, on est dans la coque, hein, dans la on cale. Est sous l'eau, dans la cale, oui, d'accord. Alors, c'est impressionnant, vous avez vu le matos qu'il faut pour faire avancer un bateau pareil? Tout à fait incroyable. Ah, c'est très long, là il va falloir sprinter parce que pour arriver au bout. Et surtout rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin un iceberg va arriver, on va faire couler le Titanic, comme en vrai. C'est ce qui s'est passé en event. Ah oui, d'accord. Non, pas vraiment. Mais on a inondé le Titanic pour l'event. Ah la vache, mais il y a combien de pièces de chaufferie, c'est fou. Il y en avait 6 plus une 7ème de secours. Oh, j'ai eu un petit lag. Ah oui, voilà, ça c'est la 7ème. Là on y est. C'est fou. Là nous arrivons au moteur. Et voilà, ah oui, avec d'immenses pistons en or. C'est la classe absolue. Ah! Ah la vache! Ah la vache! Oui, les moteurs tournent. Ça marche! Ça marche! Ça y est! On est parti! Bah écoutez les amis, ça y est, on est en croisière sur le Titanic. C'est incroyable. Là, j'ai bien fait de venir, hein. Je pensais pas partir en vacances aujourd'hui, mais c'est fait. Vraiment, ça, si tu veux partir en vacances au fond de l'océan. Oui, c'est vrai, oui. Mais enfin bon, il y aura quand même un moment agréable. On sait comment ça a fini. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Même sur Architectica, ça a mal fini déjà, donc. Ok, alors deuxième chose que je voulais qu'on voit, c'était le poste de pilotage. Nous allons y remonter. La passerelle de conduite, je sais plus comment tu l'as appelé tout à l'heure. Ouais, la passerelle de pilotage. La passerelle de pilotage. Donc on va quitter. Les tréfonds du bateau pour aller là où en fait on va. Hein. Voilà, j'attends que vous me ramenez. Ah, voilà, on y est. Donc voilà. C'est exactement ici que tout s'est passé. Hein. C'est ici que le capitaine se raccroche à la fin à son gouvernail. Voilà, en faisant merde, on va couler. C'est incroyable. En fait, c'est tout petit. C'est beaucoup plus petit que finalement les machines, quoi. Enfin, c'est. C'est assez incroyable. Bah oui, c'est juste le poste de pilotage. Et alors le dernier truc qu'on va faire sur le bateau, avant que vous me montriez une dernière chose. Alors je sais pas comment on redescend. Là, t'as un escalier là. Ok. Là. On va aller à la proue. Oh là là. Forcément. Ah bah oui, non mais forcément, c'est pas possible. Combien de personnes y sont allées? Maintenant c'est dommage parce qu'il est face au phare, donc ça fait pas très.
Ah oui, tu m'as TP. Ah oui, on voit pas l'eau, c'est dommage. Enfin, c'est pas grave. Il aurait fallu le tourner dans l'autre sens, mais bon. Et là, je fais vers l'infini et l'au-delà. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je suis le roi de mon. T'as un petit panneau devant toi. Faut que je saute. Ah, j'ai carrément la phrase. La phrase culte. Alors attends. Oui, oui, oui. Oui, bah là, je suis gêné par le. Voilà. Merci beaucoup. Je suis le roi du monde. Ouais. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai bien fait de venir. On est arrivé vite à Alexandrie. C'est vrai, on y est déjà. Découvrez la passion à l'avant du Titanic. Et la petite phrase, je suis le roi du monde. Excellent, bien vu. C'est toujours agréable quand il y a une petite touche d'humour en plus. Ah ! Attends, me faites jamais ça, je suis en train de sauter. Alors là, on est vraiment tout en haut. Vous l'entendez, hein, ça souffle. En haut du mât. Ah, grosse chute ! Je vais mourir ! Ah, je suis mort. Voilà, donc, nous revoilà sur Architectica. Je suis à nouveau, je suis réparé. Toujours en compagnie de Elorian 33, de Mouf et de Colin Cour. Excuse-moi, parce qu'en fait, j'ai un autre ordi avec vos noms, mais un peu loin sur le Mumble. J'arrivais pas à te lire. Et comme j'ai pas... Ben voilà, voilà, Colin Cour. Je vais remettre la vue où on voit vos noms, ça sera plus simple. Et là donc on termine cette magnifique visite, enfin visite, on n'a pas tout vu j'imagine, mais c'est bien aussi de laisser peut-être la surprise aux centaines de visiteurs qui vont venir. On a fait vraiment les plus gros bâtiments pour l'instant du serveur. Donc on est toujours sur... Il y en a encore, mais... Sur le serveur Architectica, et là on termine cette vidéo. Je t'invite à me suivre. Si j'en crois Mouf, par le truc le plus impressionnant. C'est le truc le plus grand du serveur pour l'instant. Voilà. Et le plus long qu'on ait fait. Aussi. Le plus grand, le plus long, le plus incroyable. Et le plus haut. Et aussi. Le plus haut aussi. Enfin, il est plus que tout. Et c'est donc l'université. D'ailleurs, vous indiquez tout de suite aux gens d'y aller quand on arrive. Oui, en fait, on l'a fait en timelapse. C'est surtout que vous voulez en foutre plein la gueule direct. Si j'ai bien compris. Non, je déconne. C'est juste, voilà, on l'a fait en timelapse, donc on a déjà certaines personnes qui nous sont venues. Il y a une vidéo alors, donc si je comprends bien. Oui, il y a une vidéo. D'accord. Eh ben, je vous invite à aller la voir. Vous avez une chaîne YouTube. Architectica ou sur ma chaîne, Elorian. Voilà. T'as la vidéo sur les deux chaînes. Voilà, je baisse ça. Excusez-moi. De toute façon, là déjà, je suis très impressionné par la dimension des jardins. Et l'organisation, c'est superbe. Je vais te proposer de t'arrêter par là où nous sommes, et de lever ta tête en fait, en face de toi, et d'attendre que les chunks chargent. D'accord, ok. Si t'es en phare, oui. En fait, je me fais ma propre timelapse, un petit peu comme si j'étais en train de le construire devant moi. Ce qui est impressionnant dans ce bâtiment, en dehors de sa grosseur, c'est que il y a 20-25 personnes qui ont travaillé sur ça, peut-être plus 30 personnes. Et que c'est là où on se dit, le bâtiment lui-même seul, avec le Word Edit, c'est sympa. Mais bon, c'est tout seul, c'est pas drôle. Alors qu'il y a 30 personnes qui s'y sont mis à la main, bon, en game mode, mais à la main. Et ça a pris un nombre d'heures incalculable. Cumulé, on est à 420 heures de travail. Bah, je vous félicite. C'est tout simplement magique et magnifique. Et je mouffe ce que tu viens de dire, est tellement vrai en fait. Un travail d'équipe, y a des joueurs qui sont plus solitaires, moi c'est peut-être un peu mon cas d'ailleurs, je suis plutôt joueur solitaire, mais je trouve ça tout à fait impressionnant de réussir à s'organiser à 30-25 autour d'un projet, d'arriver à son terme, au terme de ce projet-là, et surtout de faire un bâtiment aussi magnifique et incroyable. Vous pouvez être très très fiers de ce bâtiment. Là j'avance maintenant, tout s'est chargé, c'est impressionnant, la dimension. Bon, l'intérieur n'est pas incroyable. Encore fait, il sera fait un jour. Je regrette de ne pas avoir le fly, rien que pour faire des plans un petit peu de loin. Mais en même temps, j'imagine que le plus intéressant, c'est d'aller voir le timelapse dont vous parliez tout à l'heure sur votre chaîne YouTube. Je vais juste te faire un TP. Je te laisse rentrer à l'intérieur. D'accord. Et je te ferai un TP tout en haut. Ah, c'est simple, on rentre dans le bâtiment. c'est con ce que je veux dire. Mon impression de rentrer dans une ville. Alors, vu que ça n'a pas été encore aménagé à l'intérieur, en tout cas l'endroit où je me trouve, on a l'impression d'être dans une rue et que c'est jalonné de bâtiments en sandstone. Ah oui, non, c'est fou. Vous avez encore, du boulot à l'intérieur. Oui. Ça sera prévu sur sûrement un event ou un truc comme ça. On va gérer le truc. C'est incroyable. Je te fais un petit TP tout en haut. Vas-y. Donc je t'invite à arrêter de courir parce que si tu tombes, t'es mal barré. Je bouge plus. Donc là, on est sur les toits. Là, t'es sur le toit quasiment le plus haut. Tu vois, t'as juste un petit bout de tour qui est au-dessus de toi. Ah oui, d'accord. Là, on voit un petit peu l'aile. Alors, je sais pas si c'est la droite ou la gauche. Je suis totalement perdu et...
sais plus où est la droite, c'est le nord. C'est la gauche. Non, enfin, ça dépend dans quel sens tu. Voilà, ça dépend, c'est... forcément, c'est ce que j'allais dire, ça dépend voilà. du sens oui, dans lequel on se trouve. Ça dépend dans quel sens t'arrives, ouais. Donc on voit bien comment c'est fait, et c'est impressionnant. Vous êtes parti là aussi d'un plan? Comment vous avez fait pour vous organiser? On est parti de carrément Google Earth. Voilà. D'accord. Tout simplement, et puis on l'a fait en premier temps World Edit sur mon petit serveur privé pour voir l'échelle et tout ça, et puis ensuite on l'a fait ici, enfin sur une map, et après on l'a copié-collé en ayant préparé la zone, tout simplement quoi. Est-ce que le petit logo bleu là, c'est de l'obsidienne, hein? Oui, je dis pas de conneries. Non, de la lapis azuli. Non, obsidienne. De la lapis, oui. C'est votre logo de serveur, c'est quoi ce... Non, c'était sur le bâtiment. Donc, d'accord, okay. On l'a refait version Minecraft. Je sais pas si tu me l'as dit, peut-être, et j'ai pas entendu. Vous vous êtes inspiré de quel bâtiment? C'est l'université d'État de Moscou. Elle est vraie, elle existe, elle est à l'échelle aussi. Largement. Comme le Titanic ou le France. Tu n'as pas vu le France, mais... Mais voilà, bonjour. C'est un bâtiment qui existe vraiment, quoi. C'est... D'accord. On est parti, si tu cherches sur Google, tu vas trouver le truc. Et... Alors je cherche un moyen de monter, mais vraiment tout en haut, parce que je vois qu'il y a une espèce de balcon. Et il y a en haut tout un sigle avec un gros A, en glowstone. Je te TP. Sinon, j'écris une tête. Ouais. Merci. Sinon, je peux le faire monter encore plus haut, hein. Ah j'ai créé une plateforme si tu veux. Ah bah si vous voulez mettre sur la plateforme, comme ça on finit avec un magnifique panorama. Je bouge plus pour éviter toute chute dangereuse. Tu veux te mettre encore au-dessus? Non, ça va aller. Je commence à avoir peur là. Je commence à avoir le vertige méchamment. Je n'ose plus bouger. Vas-y, TP-moi, je ne bouge plus. Alors on va te mettre tout en haut du A. Ah. J'en ai une de plateforme si tu veux, Hilo. Elle est où? C'est en dessous de mes pieds. Bah vas-y, TP-le. Voilà. Ah oui, elle est toute petite. Bouge pas. On voit pas le sol. J'avance juste. Me pousse pas. Merci beaucoup. C'est magnifique. Ben voilà, écoutez, on a visité le serveur Architectica en compagnie. Ben, je te remercie beaucoup, hein, Elorian, de ton accueil. Très chaleureux, très sympathique. Mais je t'en prie. Vive la Gironde. Oui. Puisqu'on a découvert qu'on était quasiment. Ah, toi aussi, Mouf? Non, c'est. Moi, non, Inouï. Pardon? C'est Inouï. Pardon, j'ai pas entendu. Inoufou. Une jeune demoiselle qui nous a rejoint. D'accord, donc nous sommes trois Girondins cet voilà. après-midi. Impeccable. Voilà. Écoutez, super. Et merci à tous les autres, hein, qui m'avaient gentiment accueilli et qui avaient pris un petit peu de votre temps pour me montrer tout ça. Je suis arrivé vraiment en visiteur et vous êtes très très bien occupé de moi. C'est parfait. Merci beaucoup. J'invite les auditeurs. Je ne sais pas si on peut leur dire de venir vous rendre visite, au moins de visiter, hein, venir voir vos magnifiques constructions. Bien sûr, il n'y a pas de problème, au contraire. Hein. Bah, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment l'idée, quoi, je pense, de votre serveur. Forcément, c'est sympa de fabriquer des trucs et des magnifiques choses, comme tu le disais tout à l'heure, Mouf. Mais c'est vrai aussi que c'est agréable de pouvoir les montrer aux gens. Et je pense que les gens vont prendre des claques. Et je vous promets que là, j'ai pris de belles claques depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que j'avais choisi aujourd'hui votre serveur voilà, 5 minutes avant de lancer l'enregistrement. Je me suis dit, tiens, Architectica, ça sonne très très bien. Je pense que je vais voir du lourd. Ben, j'ai pas été déçu. Félicitations, bravo. Merci beaucoup. Écoute, tant mieux. Hein. Merci à tant toi. Tant mieux que ça t'ait plu. Merci beaucoup. Et puis, ben, je reviendrai vous rendre visite plus tard. Voilà, c'est ce que j'ai dit. N'hésite pas à revenir dans quelques mois pour voir un petit peu comment ça évolue. À très bientôt. Ciao.